Bonjour tout le monde. Je suis ici à Miami. Nous sommes jeudi 7 décembre 2017. Je suis Serge, de Miller de Fribourg-Aigan. Vous utilisez Miami en ville. Et je suis au musée de privé Cinero Fontanal. C'est le bâtiment que vous voyez derrière moi, l'ancien dépôt. De Ella Cinero Fontanal, c'est une fortune du Venezuela qui vivent ici à Miami. Ella Cinero Fontanal est présente dans toutes les ventes aux enchères du monde pour sa collection d'art contemporain qu'elle abrite ici dans le musée. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'exposition Triangle. C'est sur trois artistes cubains. La première, c'est Dolores di Lolo Soldevilla. Elle présente de l'art abstrait pas mal, imaginatif, c'est bien fait, oui, c'est bien, oui. Le deuxième, c'est Sandru Dari, un émigré roumain à Cuba. Il était arrivé avant Fidel Castro. Alors lui, c'est plus intellectuel, c'est de l'art abstrait plus recherché, c'est pas mal, oui, c'est bien, oui, j'ai vu quelques pièces. C'est déjà d'un certain niveau, oui. Et la troisième, c'est Carmen Herrera. Elle a presque 100 ans, je crois. Et je la connaissais parce que j'avais vu au musée Pérez à côté. Elle présente de l'art abstrait, très sobre, mais il y a de l'art. C'est bien fait et puis on a envie de prendre à la maison. Voilà. C'est tout, je suis ici pour Art Basel. La semaine commence tout à l'heure, ça va jusqu'à dimanche. C'est la succursale de Bâle de l'art contemporain. Ils font ici une foire et ils ont un énorme succès. Il y a plein de foires satellites ou d'imitations, mais ils restent les plus importants et la plus grosse. C'est une référence. Bien, le musée ici, j'étais déjà venu ici l'année passée. Et puis bon, c'est un bon musée, je vous recommande, c'est bien, oui. Voilà, c'est une belle journée quand même. À bientôt, bye bye.